Après un rebond de plus de 7% en 4 jours, le CAC 40 revient sur ses niveaux du 28 juin. En plus des craintes liées aux conséquences du Brexit sur l'économie mondiale, s'ajoute la déroute des banques italiennes. Et peu avant la clôture ce mercredi, le CAC 40 perdait 2,15% à 4074,12. Dans l'actualité ce mercredi, Biomérieux qui a annoncé le lancement des premiers kits de réactifs disposant du marquage CE pour l'identification de mycobactéries. Cette nouvelle base de données permet désormais l'identification simple et fiable de ces pathogènes pour prendre en charge plus rapidement des maladies telles que la tuberculose, des infections osseuses ou pulmonaires. Peu avant la clôture, le titre perd 0,75% à 118,60€, mais il recueille une opinion haussière de la part des analystes de l'OPSA. On poursuit avec Rexel qui a annoncé la nomination d'Éric Gauthier en tant que directeur général Asie-Pacifique à compter du 12 septembre prochain, en remplacement de Mitch Williams qui a décidé qu'il retournerait aux États-Unis. Pour rappel, Éric Gauthier est actuellement vice-président après-vente chez Fiat Chrysler Automobile basé à Shanghai, poste qu'il occupe depuis 2012. Et peu avant la clôture, le titre gagne 1,53% à 75,60€ et les analystes de l'OPSA lui donne une opinion baissière. On passe maintenant à la recommandation du jour avec Vivendi à la baisse. Le titre évolue dans un canal baissier en place depuis juin 2015. Les cours ont buté sur la borne haute du canal baissier le 30 juin avant de se retourner à la baisse, relançant la dynamique de vente. Du point de vue des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances soutiennent la tendance baissière, tandis que le RSI se situe au niveau de son seuil des 50%. Ainsi, tant que 17,80€ n'est pas dépassé, il est conseillé d'attendre une poursuite du repli en direction du précédent point bas du 24 juin à 14,80€, puis vers les 13,25€. Pour jouer cette valeur, nous vous conseillons l'achat du warrant put C65-9T d'UniCredit avec un prix d'exercice à 15,50€ et une date de maturité située au 14 décembre 2016. En direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier pour Trading Central. À très bientôt.